Salut à tous, c'est Ozzy, on se retrouve pour le 20e épisode de Tomb Raider, que je vais faire plus long, je pense, pour une fois. Écoutez, c'est le 20e, on va faire ça plus long, donc on va reprendre sans plus attendre, et je vais rapidement vous rappeler que nous avons exploré la plage dans le précédent épisode de Fond en Comble, afin de savoir comment faire, et puis surtout pour trouver des matériaux. Nous avons pu améliorer notre fusil en fusil de commando. Brouh. Et nous avons réussi à obtenir une lunette de précision en l'améliorant encore par la suite au feu de camp. Nous avons aussi eu, grâce à notre ami Jonah, un nouvel arc à poulie. C'est vraiment ça, c'est magnifique. Je surkiffe cet arc parce qu'on dirait vraiment un arc d'archer professionnel, des mecs qui font de la compète. Et ça, c'est aussi très fort. Et je vous avais laissé, souvenez-vous, au feu de camp, juste à côté d'un tombeau caché, qui est apparemment noyé. Donc, hop, je vais mettre ça en route, et oh lolo. Ok, alors ça, c'est pas une très bonne nouvelle, je viens de tout électrifier. Ah, en tout cas, je vais pouvoir ouvrir. Donc, comment ça se passe? Si je comprends bien, je tombe dans l'eau, je meurs. Alors, oups, pardon. Pompe. Oh, c'est gentil de me donner des munitions. Alors. On a un radeau sur lequel on a des cordes. Ici, il y a un niveau plus haut où on pourra revenir là. D'accord. Ensuite, ici. Alors, je trouve qu'on ne peut pas... Ah ! Déjà, on peut le brûler, ça. Ok. C'était prévu pour libérer le radeau. Donc ça, déjà, c'est fait. Ensuite, à mon avis, il va falloir que je tire le radeau par cette ouverture. Et encore un coup, ne serait pas trop... Tout ça dans le but d'aller de l'autre côté. C'est bon, ça passe. Ensuite, vite. Wouh, tout juste. Tout juste. Et là, qu'y a-t-il? Rien, une télé, une vieille télé, une console, des vannes. Et là, rien. Bon. C'est intéressant. Alors, où puis-je passer? Dans ce cas, je ne comprends pas. Il faut que je trouve un moyen de traverser sans danger. Ah oui. L'escalier est là-haut.
Sauf que, jusqu'à preuve du contraire, je ne peux pas y accéder. Justement, là-bas, avec le radeau. Et ça me paraît être une trotte à pied. Alors, finalement, est-ce qu'il faudrait pas que je ramène mon radeau par ici? Ah! Je ne peux pas l'attirer plus. Ce que je vais essayer de faire, j'espère possible. Oui! Aïe aïe aïe! Bon, bah c'est trop court. Donc, pas par là! Il n'y a pas moyen de monter. Alors, comment faire? Comment faire? Un trou dans le plafond. Où je pourrais monter. Hey, parce qu'il remonte bien vite. Tout de même. Oups. Alors, comment faire? Comment faire? Je le recoince à cet endroit-là. Alors peut-être ça va falloir que j'aille dans l'eau pour le tirer. Hop! Ah, je peux pas remonter dessus! Oh voilà, voilà, voilà. Tentons une autre approche.
Oui, comme je pensais, je ne peux rien péter. Ou peut-être tout simplement qu'il faut que je la pète. Eh bien non, c'est pas ça. Je n'ai pas d'autres balles, bien embêtant. Alors... il est un petit peu loin. Et je ne voulais pas sauter dessus. Ok. Parfait, maintenant... je le retire par ici. Peut-être que là, je vais pouvoir monter. Au cas où, je vais retirer là-dessus. Maintenant, je vais espérer qu'on peut monter. Eh bien non. Oh. Explorer les tombes pour découvrir avec des récompenses spéciales. C'est bien ce que je fais, mais ce n'est pas ce que je trouve là pour le moment. Celui-ci est un véritable casse-tête inébranlable. Je ne vois pas comment on pourrait s'en défaire. Hop! Voilà. Ça me paraît tout de même très court. Sachant que les escaliers eux-mêmes sont électrocutés. Électrifiés en tout cas. Ça me paraît bien court. Est-ce qu'il n'y aurait pas un point d'accroche sur lequel je pourrais m'accrocher pour me tirer depuis ? Bien non, je n'ai pas l'impression que c'est bien ça le problème. Et il n'y a pas à tergiverser, il faut aller là-bas. Pas le choix.
Réussir à monter peut-être. Aïe aïe aïe. C'est dur. Écoutez, je vais faire une dernière tentative. Et si je n'y arrive toujours pas, nous sortirons de ce tombeau. Tant pis. Je dois peut-être puis-je essayer d'y faire quelque chose. Non, je ne peux pas. Ça ne change strictement rien. L'idéal serait qu'il reste coincé en bas. Mais je n'ai rien pour le faire. Ça me paraît déjà mieux pour espérer y courir. Ah, mince, je voulais pas tomber tout de suite. Et non. Bon. Eh bien, écoutez. Je ne vais pas perdre plus de temps que ça. Nous allons avancer dans l'histoire et je reviendrai peut-être un petit peu plus tard sur ce tombeau. Mais là, vraiment, je ne vois pas. À moins que... Peut-être. Non. Même tirer en espérant que le souffle projette quoi que ce soit n'est pas la solution. Je ne peux vraiment m'accrocher à rien du tout. Et là-haut, il y a vraiment... rien d'autre à part ceci. Maintenant, à moins que je puisse utiliser une grenade. Non. Je ne peux rien y faire. Je ne sais pas comment faire. Donc, tant pis, nous reviendrons sur la salle inondée plus tard. À l'occasion d'une autre vidéo. Et pendant ce temps-là... nous allons retourner à la recherche de notre ami... Alex. Oui, non, là j'en viens. Oup là. Oui, c'est ça, j'étais monté ici et venu voir par cette porte qui était fermée.
Ah, je suppose que si l'endurance, on peut-être pas remarqué. Alors, sans tomber. Ah. J'ai un peu traversé la corde. La reine solaire a vieilli. Bientôt, elle choisira celle qui doit lui succéder. Je crains que ce soit moi. Je suis sa favorite. L'objet de toutes ses attentions, elle me considère comme sa fille. Telle une poupée, elle me garde constamment auprès d'elle, me brosse les cheveux, m'habille de ses vêtements préférés. Je sens mon malaise grandir de jour en jour. Mais le plus étrange, c'est sa manière de me regarder. Comme on regarde son propre reflet dans un miroir. Inquiétant. Dans les environs. Que pouvons-nous rapidement faire? Bah déjà, récupérer les matériaux qui sont là. Premier lieu. Ensuite, il me faut aller là. Et ben, je vais d'abord éclater ceci. Ah, je ne peux pas. Pas encore faire ça. Nouvel équipement requis. Bon, dans ce cas-là. Allons-y, bunker des... Excusez-moi, bunker des falaises. Ouah, c'est violent. Et oui, je suis toujours un petit peu malade. Rampons. Ah là, vraiment, cet arc. Génialissime. Oh, vue du bunker. Ouf. Alors, oui, voilà le bunker, en effet. Et il y a une épave là-bas. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Notre bateau. Alors, je dois avoir des améliorations possibles. Ah non, avec 47 de matériaux, non, pas du tout. Eh ben, on ne va pas s'arrêter là. Puisque je vous ai promis un épisode plus long, cette fois, pour le 20e. Alors je sens que je le regretterai peut-être un petit peu parce qu'il sera très long à upload. Il me prendra énormément de temps. Mais bon, je m'armerai de patience. Hop là. Alors, il va falloir sauter. Et à mon avis, nous allons retrouver beaucoup de compagnie dans le bunker. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sens qu'il y aura les mondes. Escalade au-dessus du vide. Ne pas regarder en bas. Ne pas lâcher non plus. Surtout, ne pas lâcher. Oh, le canon a été bien éclaté. Oui, je vais tirer un obus sur un navire ennemi. Ah, mon canon! Pardon, j'imagine bien la scène. Alors, là encore, ça va être un que je ne peux pas casser, j'imagine. On dirait des fois, elle fait des missions d'infiltration, là. C'est... Quoi? Oui, du monde. Oui, il y a du monde. Aïe, 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 aïe. M'approche pas, toi. Ah oui, c'est vrai, je n'ai plus beaucoup de munitions.
Alors, essayez de faire ça autrement. Avec le silencieux sur le pistolet. Vas-y, essaye. On perd notre temps. Putain, combien de générateurs ça fait? Ça peut foutre. Passe commande, on exécute, sans poser de questions. Et on a déjà livré tous ces portables la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il prévoit? Déférer un stade ou quoi? Super, mon frère, ne pars pas comme ça. Reste bien, c'est pas un grand monde. Qu'est-ce qui se passe au palais, là, notre ami? C'est quoi la pluie de cette fumée au-dessus de la montagne? S'il y avait un problème, il nous appellerait. Ouais, mais la radio, il n'y a pas eu un signal de toute la nuit. Il se passe quelque chose. Je t'ai dit de te taire, mon frère. Arrête tout de suite. Attends, c'est quoi, c'est? Putain, c'est pas vrai! Tu pars d'un coup. Frère, arrête! Je suis pas ton putain de frère! J'en peux plus de cet endroit! J'en peux plus de passer mon temps à récupérer ces merdes! J'ai besoin d'aide! Amenez-vous! D'accord, je me disais quand c'est qu'il y en ait autant. Sortent de partout! Je comprends mais pourquoi. Coup de grâce royale. Approche pas! Coup de grâce royale! Et non, c'est toi! Wouh! Baisse-toi! Eh oui! Allons! Ah, une géocache. Tuc. Des munitions. Ah oui. Et j'espère que j'ai retrouvé d'autres munitions de fusée d'assaut. Parce que... J'en ai plus beaucoup en réserve. Oui. Ils en ont, ça me rassure. Y'en a là? Oui, 20, très bien. Encore. Oui, 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 munitions, munitions, donnez-moi les munitions. Ah si, elle a glissé. Alors, par contre, chose que je me dis, c'est que je n'aurais pas dû monter par là.
puisque je n'ai pas tout fouillé ici. Merci, cher ami. Donc, je disais, je n'ai pas tout fouillé ici. Ah! Encore de munitions! Pour le reste, je pense qu'en effet, il faut que je passe par là. Juste, je vais essayer avec ceci. Non. Il ne se décroche pas. Bon! Pas de passage. Et oui, il y a un intrus. Hé, pas des moindres. Un intrus qui m'a tous fait buter. Tu peux essayer de me contourner. Petit dégueulasse. Oh. Aïe. Eh bien sûr, je suis armé. Ah, c'est toi que je cherchais, mon petit gars. Et remonte-moi ta tête pour voir. Oui. Oh oui. Oh là là. Qu'est-ce que tu veux faire là, toi? Comme tu dirais, ça pique! Boum! Et voilà. Ah oui, les munitions. Oh, le matériau. Et c'est bon. Est-ce moi? Non, j'en ai bien vu un autre. Il n'est pas mort. Pas encore. Maintenant, c'est chose faite. Wouh! D'accord, j'aimerais bien les récupérer d'abord. Ce qu'il y a de l'autre côté. Hey! Il y a des matériaux. De l'expérience. Jouer les funambules. Et surtout, ouvrir ce gros coffre. Plein de matériaux. Et encore prendre de l'expérience. Puis repartir, jouer les funambules. Les acrobates. Oh! Non, je voulais monter. Je voulais sauter, en fait. Tu dis les acrobates. Voilà. Ils sautent. Ah, il y en avait un autre ici à fouiller. Non. Ouh, sauter. Alors, d'accord. Hop. Par... Ah bah oui, par là, tout simplement. Je vais monter. Je retiens. Et par contre, sauter par là. Oui, c'est ça. Alex, dans
quelle galère est-ce que tu allais te fourrer? Et ça, c'est la question. Vu ce que je viens de traverser, quand même, un sacré bunker, étroitement armé. Ah. Voilà trois cadavres. En effet, on pourrait se le demander. Alors, où est-il parti? Eh bien, voilà, bien ce que je pensais, que ça devait être notre bateau. Je n'en étais pas sûr. Et voilà. Alors, pourquoi cet engin peut-il être utilisé? Ah, si, j'ai ma petite idée de la question. Pour revenir en arrière, tout simplement. Vu de l'endurance. Eh ben non, c'est peut-être pas pour ça finalement. Alors je vais juste fouiller un petit peu par ici. Hop, des fruits pour de l'expérience. Et un coffre, ah, comme j'ai bien fait. Fait surtout de l'expérience en fait, de trouver des petits objets, des artefacts, pièces de deux scènes. L'une des faces est érodée, comme si on l'avait frottée trop souvent. Peut-être le porte-bonheur d'un soldat. C'est fort possible. Alors... Bon. Je vais passer au camp, non pas pour vous dire au revoir, mais pour faire une amélioration. Lara a entièrement raison. Il se passe des choses étranges ici. Le phénomène naturel qui détraque la météo, la base de recherche militaire, la reine solaire et cette secte d'illuminés. Si je l'avais pas vu de mes yeux, j'aurais cru à une mauvaise blague. À moins qu'il y ait des caméras planquées dans les arbres. En tout cas, je dois bien admettre que ça fout les jetons. Je continue à faire des blagues pour ne rien laisser paraître. Reyes va bientôt m'en coller une. Il faut que je me rende utile avant de devenir fou. J'aimerais être comme Lara. Elle est incroyable. Non seulement cette fille est brillante, mais en plus, elle assure dans l'action. Vu qu'elle m'a pas remarqué jusqu'à maintenant, c'est pas maintenant qu'elle va commencer. À moins que j'arrive à attirer son attention. Haha. Eh bien voilà pourquoi Axel est parti retourner sur l'endurance, dans l'idée d'impressionner Lara, tout simplement. Quel grand fou. Alors, je vais en profiter pour mettre le silencieux aussi sur la mitraillette. Et voilà. Quand même plus utile sur le pistolet. Ok. Et ben, on va se faire une petite descente en tyrolienne. Oupla! Et encore une autre. Hop là! Direction l'endurance! Oh! Et il y a du monde! Oh! Pas mal l'arrivée en plein entre les tuyaux! Joli. Attendez, quand vous aurez fini ça, allez empiler ces marchandises. Ouh là là. Ça ne veut pas bouger. Mais what the fuck? Il fait deux fois sa taille. Ah, par contre, il a un appareil bien intéressant. Je le veux! Je le veux, ton truc! Hey, y'a quelqu'un là-haut! Qu'est-ce que tu fais en bas? Tu peux ouvrir ça et me filer un coup de main? Appelle l'équipe de démolition, on est en retard. Oula, il y a eu un petit bug pour celui-là. J'aimerais pouvoir le buter de façon discrète. Et quoi? Viens m'aider! Ah, ça peut être l'occasion.
t'es venu par là, toi? Je vais te montrer de quoi le tir est capable. Wouh! Wouh! Il m'a coincé! Il m'a coincé! C'est bon. Boum! Boum! Oh, fail! C'est moi! Boum! Oh. Oh là là, il a le crâne totalement fendu. Mais c'était un géant, ce mec. Il faisait deux fois la taille des mecs après tout. Ascenseur à cordes. Oh. Tiens, les objets lourds. L'aide de l'ascenseur à cordes. Voilà. Parfait, ça. C'est exactement ce que je cherchais au final. Voyons ça tout de suite. Oh, ouh, joli. Ah, magnifique. Nous pourrons donc faire le tombeau qui est à la plage. Eh bien, descendons. Long. Portée disparue. Trouvé Alex. Bah dis donc, le bateau où on était au début. Il a pris cher. Remettons les silencieux. Ah, il ne veut pas. Mais c'était ma cabine, ça. Non? Mais si, je la reconnaissais bien! Retour sur les lieux. Il s'est passé tant de choses. Du début de ce cauchemar. D'une certaine manière, je dois remercier Lara pour ce boulot. Elle a toujours cru en moi. La plupart de ses amis snobs de l'université méprisent la réalisation. Ils n'ont vu en moi qu'une écervelée qui empêchait leur petite protégée de se concentrer sur ses études. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au fond d'elle-même, Lara a vraiment soif d'aventure. C'était son idée de partir en Bulgarie avec juste nos sacs à dos. Même si elle ne s'attendait pas à ce que je la traîne dans cette boîte de nuit à Sofia. Et je crois qu'aucune de nous deux ne serait partie seule en Tanzanie au printemps dernier. Mais nous y sommes allés. Deux étudiantes explorant des ruines sur la face sud du Kilimandjaro. Lara avec son carnet, moi avec ma caméra. Elle est comme ça, la vraie Lara. Aventurière, intrépide, intelligente. Et peut-être un peu moins coincée grâce à moi. J'espère que nous vivrons beaucoup d'autres aventures ensemble. Et là, tu as vécu l'aventure de ta vie. Moins qu'on puisse dire. Bon. Allez. Mais montre-moi ta tête! Et c'est vrai que le bateau avait été séparé en deux. Youhou! Tchouk! Ah oui, bien. Je vais prendre des matériaux. On dirait qu'il tangue encore un peu. Ah bah vas-y, crie! Allez, allez! C'est pas vrai! Bordel!
que tu fais là? Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Je suis coincé là-dedans. J'ai connu mieux. La porte est bloquée. Je crois que je peux la dégager avec ce crochet. Tiens le coup. Je vais te sortir de là. T'en fais pas. Et comment suis-je censé l'utiliser? Ah. Bah ouais, mais non. D'accord. Bah oui, tout simplement. Et merde, le rail est coincé. Il faudrait que j'arrive à grimper pour essayer de débloquer. Aïe! D'accord! Tout simplement, faut que je le retire en arrière! Non, c'est encore trop loin! Prends que... Eh oui, non, c'est trop loin. Est-ce qu'il va encore tout retirer? Ah non, je comprends. Plus subtil. C'était encore plus subtil. Oh, le joli petit casse-tête. Hop là, voilà. Là, j'y suis. Ah d'accord. Oup là. Ok, c'est bon. Alors maintenant, Alex, il faut Alex tirer par là. Alex, je vais sortir de là. Ok, faut que je dégage tout ça. Hop. Voilà, et maintenant, tirez par ici. Et voilà. Non, plus qu'à tirer dans l'autre sens. Oh, Alex. Tu as les outils. Ah, enfin, je t'impressionne. On va te sortir de là. Ah, oh, désolé, désolé. Bon, on dirait que ma carrière de danseur est foutue. Allez, allez. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas nous tuer. Je vais pas m'en sortir, Lara. Prends les outils. Je ne pars pas sans toi. Hey, c'est pas tous les jours qu'on peut mourir en héros. Les autres ont une autre. Allez.
Vas-y. Ah, j'aime bien l'ascenseur quand même. Ascenseur de code, c'est bien sympa. Par contre, et à son âme, Alex. Je ne laisserai pas les autres mourir. Ah bon, c'est pas là ? C'est pas là ? Ah bon, non, pas là. Ah bah oui, non, tout simplement. Ascenseur de code. Wouhou. Ah oui, si je m'arrête, il s'arrête. Ok. C'est trop bien le truc. Ça s'arrête jamais. Toujours pas énormément de matériaux. Alors, après, pour remonter, je pense qu'il me faut faire tomber ceci. Ah, d'accord, c'est trop lourd. Ah, oui, aussi, c'est une possibilité. Un vieux journal. Un vieux journal. Fou, fou, fou. Que de poussière. Rapport d'expédition. Après plusieurs mois de recherche, nous avons pu réunir des informations sur les phénomènes météorologiques de l'île. Le tombeau d'un important général datant de la période Kamakura a été découvert sur le site de fouilles près de la côte. Cette découverte est la pièce manquante du puzzle. Elle va nous permettre de prendre le contrôle des tempêtes. Mais les fouilles ont alerté Léonie. Ils sont en colère. Nous devons accéder au monastère, à la chambre des rituels. C'est là que tout va se jouer. Donc il nous faut en effet aller au monastère. Dans cette chambre des rituels. Des ruines dans la vieille base. Contrôler les tempêtes. Il me faut des réponses. Alors, nous allons rapidement retourner au camp des réfugiés. Wow! Oui, pardon, je me trompe. Je me trompe. Oh, un coffre. C'est une Tempo Tsuro. Difficile de lire la date. Mais le Japon en a produit des milliers. Bien. En sortant tranquillement, par là nous sommes venus.
avec la différence que je vais pouvoir passer directement par là. Ouah. Je ne pense pas qu'on rencontrera une quelconque résistance jusqu'à la plage des survivants. Où je vous laisserai pour ce 20e épisode d'une heure. Plage des épaves. Mais on était pas drôle. Ah, eh bien. Voilà. Oup. Non, 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 non. Tu restes dessus. Je voulais juste le fouiller. Je vais aller fouiller les deux autres. Et nous en resterons ici pour cet épisode 20, puisque j'ai accès à un feu de camp. Et voilà. D'ailleurs, je pouvais pas y faire un choix. Sur ce, tout le monde, je vous dis à très vite pour l'épisode 21 de Tomb Raider. Nous ne savons pas vraiment ce que nous allons faire, nous allons juste retrouver Reyes pour lui rendre ses outils, annoncer à nos compagnons la mort malencontreuse d'Alex, qui a fait tout ça seulement dans le but d'impressionner Lara et de lui plaire. Allez, je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à la prochaine.